unlisted speedrun. Reality, has this run given you more motivation? No. What do you mean, no? Why would it give him more motivation? The game sucks. It is nice to get to play the game, but no. I have no more or less motivation than I had before. I had to remove my reality bridge textures. I mean, unless they're still in my recycling bin, I deleted them. Because I don't think you should be allowed to really change map textures because you can change them for an advantage. Even though, like, it doesn't change anything, like, it's just the principle. Yeah, this is principle. A bit, Luna. Okay. Yeah. You know, I needed that because I definitely didn't just lose like 3 or 4 seconds to trying to shoot the drop. Any good runs? No. I've gotten the reality spawn one time and then I get no follow up. I think I got 4 in that game. I did. I actually haven't had 5 in tonight, so. There we go. Fine. Vous aussi, vous les voyez? On dirait les dessins pourris de la fouine. Bien ça. T'as rien dû sentir du tout. Ah, c'est pas trop tôt. Le moteur est là, c'est bon. On a les valves de contrôle. Quelqu'un s'amuse avec nous. Nous tous. Ah,
L'argent, toujours l'argent. Pourquoi? Comment? On va bien finir par tout faire péter, nous y compris. Marche! C'est exactement comme sur mon plan. C'était le premier. Il y en a deux autres. Quelque part. Enfin, on déploie nos aides. Yeah, I definitely don't have four in. That probably could have been fine. If I didn't, like... Okay, because the problem was I went to pick up the part and I couldn't see the guy when I put... That should have been five. Like, that was actually easy five. That's... whatever. I guess... let's learn. Ils pensent tous que c'est de ma faute. Que je leur ai fait un truc. Ou que c'est une de mes combines, une ruse. Un jeu. J'ai rien fait. Pourquoi ils ne croient pas? Je veux juste comprendre. I have needs as well, so... currently, I mean... I'm really, like... I'm gonna be broke as fuck. Bordel, les gars! C'est le gars! Qu'est-ce qu'il nous veut? Mais qu'est-ce qu'il nous veut? Des poissons! Chose. Hey, j'ai trouvé un jerrycan. Il faut des munitions, bordel, et vite. J'ai un jerrycan. J'aurais dû te prévenir. Je suis d'une humeur massacrante aujourd'hui. C'est bien parti. J'ai trouvé un autre jerrycan. Il s'est passé un truc? On va en avoir besoin. C'est bien parti! J'ai trouvé un autre jerrycan! J'ai du mal à croire qu'un type comme Arlington ait pu monter ce plan. C'est pas croyable. Thank you.
doit se tirer de ce pont en vitesse. Son compte. Enfin, pour le moment. Ça a carrément failli arracher le toit. Marrant, ça. Et un autre jerrycan. Et un autre jerrycan. Ce truc est important. Ok, on y va. On va en avoir besoin. Tiens, tiens, tiens. Quelqu'un a des petits secrets ? Il y a une boîte bizarre, là. On l'ouvre ? Tu vas le payer, 872B. C'est pas une tempête normale, ça. Quelque chose d'énorme. Reviens quand tu veux. Je bouge pas de là. Eh ben, y a plus qu'à. Allez. Fais quelque chose.
je vais vous raconter l'une des histoires les plus atroces. Alcatraz a connu son lot de tentatives d'évasion, certaines plus audacieuses que les autres. Mais la palme revient sans doute à celle qui a été mise en exécution par quatre détenus le 31 décembre 1933. Ce plan délirant qui a été conçu par un prisonnier du nom d'Albert Arlington était aussi invraisemblable que son instigateur. Arlington, alias La Fouine, aurait convaincu trois autres détenus qu'il avait échafaudé un plan infaillible pour s'échapper de l'île. Ce plan consistait à s'envoler littéralement à bord d'un avion de fortune conçu par Arlington lui-même. On ignore toujours comment ces criminels endurcis se sont laissés embarquer dans une telle combine. C'est le plus grand mystère de cette histoire. Ce qu'on sait en revanche, c'est que l'avion n'a jamais été construit. Le projet a rapidement été compromis par des disputes au sein du groupe. Les espoirs d'évasion anéantis ont alors fait place à des tensions qui ont provoqué une violente altercation entre Arlington et ses complices. Dotés d'armes de fortune, Finn, O'Leary, Sal, Deluca et Billy Gondola ont attiré Arlington sur le toit sous un prétexte innocent. Ils comptaient assouvir leur vengeance dans le sang. C'est donc ici, sous le seul son de tourmenté de ce jour d'hiver, que le malheureux Arlington a trouvé la mort en se vidant de son sang sur le toit. Pour leur rôle dans le meurtre, les trois criminels ont été condamnés à la chaise électrique. Justice a été rendue rapidement. Le 19 janvier 1934 au matin, après le capitaine a été...